Alors, je crois que nous avons tous une forme de cruauté, d'une certaine manière, mais elle ne s'exerce pas au même niveau. Les femmes ont une cruauté au niveau personnel, c'est-à-dire qu'elles vont attaquer quelqu'un, elles vont chercher sa faille. Les hommes, eux, et surtout ceux du plus haut niveau, eux, ils ont une cruauté au niveau collectif. Ils ne s'en prennent pas à telle personne en particulier. Ils s'en prennent au fondement, aux bases d'une certaine culture, d'un certain savoir, d'une certaine pratique. Donc dans les deux cas, il y a la cruauté, mais la première cruauté est une cruauté de la sphère privée, en quelque sorte. La deuxième cruauté est une cruauté de la sphère publique. Il est évident que ça n'a pas le même retentissement, le même impact. Et donc on voit bien qu'il y a ce même processus comme ça de l'agressivité quelque part, mais qui s'exerce sur des plans complètement différents.